Coucou tout le monde, il est 8h30 et c'est maintenant l'heure de partir. On devait partir à 5h du matin, mais en fait on était vraiment trop fatigués, donc on a décidé de pas se presser parce qu'on a quand même toute la journée pour remonter. Les affaires sont prêtes, bébé est prêt, tout le monde est prêt, et on va dire au revoir maintenant. Donc voilà, on se retrouve dans la voiture. On est sur le retour. Il est midi, on s'est déjà arrêté pour manger parce qu'il y a déjà pas mal de monde sur la route. Du coup, on s'est dit que ce serait pas mal de s'arrêter avant histoire de pouvoir manger assis et pas de se retrouver un peu dans la masse. On s'arrête tous en même temps sur l'autoroute. Donc on est tout triste, en fait on parle pas beaucoup depuis qu'on est dans, depuis 8h30 quoi, parce qu'on est parti à 8h30. Bah parce que c'est malheureux, hein, chérie, c'est malheureux. C'est pour mieux repartir. C'est pour mieux repartir. C'est vrai qu'on est déjà en train de préparer les vacances d'hiver du coup. Ça faisait... Si voilà, la seule, le seul sujet qu'on aborde depuis qu'on est dans la voiture, c'est les vacances d'hiver. On a peut-être un beau projet, on sait pas. On verra. Bébé Ellie, elle est au top. Elle vous montre son petit poney. Et ça y est, nous voilà de retour à la maison. Il est, je n'en ai aucune idée, il y a dû y avoir une coupure de courant vu que le four clignote. Donc il est. Il est 5h30 exactement et regardez, je suis arrivée, je passais par la boîte aux lettres évidemment et j'ai reçu cette petite chose de la part d'Octoly pour fêter les 20 000 abonnés des Bécos de Becca. C'est trop bien! C'est trop chouette! C'est super joli, merci beaucoup Octoly, j'adore! J'adore, c'est ma toute première récompense YouTube. Ah, ma petite lampe, elle m'avait manqué. Et j'ai reçu tout plein d'autres choses dont je vous parlerai. Pour l'instant, je ne vais pas vous en parler tout de suite. Parce qu'en fait, regardez, tout ça là, c'est le courrier que j'ai reçu pendant mes 2 semaines de vacances en famille. Et j'ai 1 milliard de trucs à faire, 1 milliard de vidéos à tourner. Il faut que je me dépêche. Si j'ai le temps de vous faire un petit unboxing de cette petite chose là que j'ai reçue, que je voulais absolument avoir avant, mais tant pis, je l'aurai après. Enfin, je voulais l'avoir avant de partir, mais je l'ai eu après, mais c'est pas grave. Je vais vous poser là et je vais l'ouvrir. Alors, la marque, c'est la marque Savon. Et donc ça, je l'ai reçu via Octoly également. Oh, trop mignon, des petits échantillons. De la crème pour les mains et de la crème hydratante pour le visage. Ils sont trop choux, les petits échantillons. Et donc la marque, c'est Savon. J'aime beaucoup cette marque, en fait, je la trouve très jolie. C'est chouette, ils mettent ça dedans. En fait, ils vous mettent le prénom de la personne qui a préparé la commande. Et moi, je trouve que c'est des attentions qui sont vraiment géniales, ça. Hop, hop, hop. Et encore un petit échantillon. Et donc ça, c'est une crème pour les pieds. Je vais peut-être m'en servir là. C'est tout bien protégé. Et voilà. La petite chose. C'est super bien préparé. À l'intérieur, c'est vachement bien. C'est un objet fragile. Donc il y a plein de petites choses comme ça. Et en fait, si je me rappelle bien de ce que c'est pour... c'est un parfum d'intérieur. Tu joues aux princesses, toi? Ouais, c'est drôle, les princesses. Oui, mon cœur. Oh, c'est trop beau. C'est vraiment super. Ouais, moi, c'est ce qui m'a plu dans cette marque. C'est que c'est vraiment très, 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 très joli. Ah, regardez ça. Le packaging, comme il est très beau. Franchement canon. Ah oui, j'ai pris coton blanc. Ça sent bon. J'ai pas senti avant, hein. J'ai pris juste sur l'appellation. Regardez-moi ça si c'est pas trop canon. Donc en fait, vous avez les petits bâtons et ça, il faut l'ouvrir. Je vais regarder quand même comment ça marche. Ah, c'est mamie qui arrive. Alors, je vais ouvrir la... En fait, il y a simplement... Coucou, mamie. On va simplement ouvrir la bouteille. Arrive.
Je me suis mis plein les mains, évidemment. Je vais remettre ça et je vais mettre les petits bâtons dans nos yeux comme ça. Ouais. Moi, je vais laisser le petit nœud là. Je sais pas si on le laisse, mais je trouve ça super joli. On va le baisser un peu. Voilà. Et voilà. Et ça, je vais l'installer directement dans mon salon pour avoir toujours une bonne odeur. C'est parfait. Regardez qui c'est qui est arrivé. C'est mamie. Tu fais bisous mamie. Mamie, oh, qu'est-ce que tu as? Fais, montre-moi ce que tu as. Coucou, du coup maintenant oui, il est 6h30, 7h, on a été donc à la poste avec maman. Je vous raconte pas, j'avais une énorme pile de colis qui m'attendait et c'est tout plein de choses pour Ellie. Il y aura un petit peu pour moi, mais surtout des choses pour Ellie. Donc il va falloir rapidement que je vous filme très rapidement un méga haul, jouer, accessoires et tout ça. C'est trop mignon, je suis super contente. Il y a d'ailleurs ce... Regardez là. Ah, bon, je vais vous la montrer tout à l'heure. Ce sera plus facile en dehors du... Merci maman. Toujours avec ma maman. Papa Loïs est parti tout de suite travailler. Regardez-moi ce bébé. Regarde chérie. Regardez comme elle est trop mignonne. Avec son petit bandeau. Donc en fait... Du coup là c'est direction les courses pour qu'on puisse manger quelque chose ce soir. Prendre du lait pour bébé Ellie demain matin. Voilà. On est content d'être rentrés. En même temps on est un peu triste parce que c'était quand même bien d'être tous les trois, tous les jours. Tout le temps, c'était chouette, ça nous a fait beaucoup de bien. Mais malheureusement, c'est fini pour l'instant. Après, avec papa et Loïs, on discutait d'un super voyage au mois de décembre. Avec ou sans Eliora, je ne sais pas. Ça dépend un peu de comment on s'organise. Et puis ça dépend aussi de la disponibilité de, papa, de papy et mamie. Vous avez remarqué, il y a des gens qui courent. Hop. Il y en a encore derrière. Bon, on se retrouve tout à l'heure. Et coucou tout le monde. Donc je ne sais pas du tout l'heure qu'il est, je vais aller voir ça. Je vais avoir mon téléphone quand même par là, j'ai dû l'emmener avec moi. Hop. Il est 7h05 et du coup j'ai fait quelques courses. Je vais vous montrer ça. Donc pour Eliora, j'ai pris 3 packs de blé d'idèche croissance, biscuité, miel. C'est à partir de 12 mois, c'est ce que je lui prends pour le matin. Oui et non. Et le soir, quand elle a pas suffisamment mangé, qu'elle a faim, qu'elle est fatiguée, qu'elle est pas bien, comme quand il fait trop chaud. Là, par exemple, il faisait très chaud pendant les vacances, donc elle avait souvent un biberon le soir, vu qu'elle n'arrivait pas à manger. Donc voilà, mais sinon, c'est pour le petit-déj. J'ai pris une baguette de pain. J'ai repris du café. Ça, c'est celui pour maman. Et ça, c'est celui pour papa. Donc, quand on n'était pas là, il n'y en avait plus. Enfin, il n'y avait plus rien dans la maison. J'ai pris une bouteille de rosé pour le dîner ce soir avec mes parents. On est content de se retrouver. J'ai pris des crevettes. En fait, j'ai pris que pour le dîner de ce soir. Du coup, ça va être des crevettes au lait de coco avec du riz que maman a déjà. Et en entrée, je vais faire de la mozzarella di bufala. De la mozzarella di bufala campana avec une tomate cœur de bœuf. Et sinon, j'ai repris des babybel pour bébé Ellie et pour papa Loïs. Voilà, voilà, bon. Hein, je vais tout ranger, commencer à préparer. En tout cas, je vais préparer le dîner pour Eliora. Parce que mon papa n'arrive pas tout de suite, il arrivera plus tard, il a un rendez-vous. Hop. Voilà, je suis super contente en fait de rentrer à la maison, même si. Ah oui, je suis passée à la pharmacie d'ailleurs, les loulous, que je vous montre. J'ai pris le 5 sur 5 avec une protection UV 20, donc c'est pas grand chose, mais c'est déjà pas mal pour les fins de journée quand on remet pas forcément la crème solaire ou quand on est quand même à l'ombre et tout ça. Ça pour les bébés c'est pas mal. Donc c'est dès 24 mois, il y aura en a 21, mais du coup ça va. Vous voyez, il n'y a pas de souci. On n'est pas à 2 ou 3 mois après, ça passe sans souci. Donc ça c'est 5 sur 5. Comme elle a beaucoup gratté ses boutons de moustique, j'ai peur que ça fasse des infections et que ça... Du coup je lui ai repris Cicalfate de chez Aven. Et pas forcément pour mettre directement sur sa peau, mais plus sur ses vêtements, sur la poussette et tout ça. Quand le soir elle va être de sortie, parce qu'à Ibiza les moustiques sont vraiment, vraiment encore plus vénères que dans le sud de la France. J'ai pris de l'essence de citronnelle, ça marche très très bien. Et voilà, c'est tout, ça y est, on a fait le tour, je suis ruinée, non je plaisante. Mais bon, c'est vrai qu'on arrive à Paris, c'est toujours encore plus cher que dans le sud finalement. Mais bon, c'est pas grave, c'est la vie qui veut ça, on est super contente. Je suis toute excitée d'être revenue. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup de choses qui sont arrivées pour Eliora.
Je vais vous en faire un tout petit aperçu de loin. Voilà, vous voyez tout ce qu'il y a sur la table. Et j'espère pouvoir vous préparer un très beau haul parce qu'il y a vraiment des choses qui sont limite mieux que ce que j'imaginais et qui sont vraiment pas chères sur le site. Du coup, je suis vraiment contente pour Eliora parce qu'elle avait plus... Disons que les enfants grandissent vite et que les jouets n'évoluent pas aussi vite que les enfants. Et du coup, là, elle a des jouets qui lui correspondent beaucoup plus, qui sont beaucoup plus dans la phase où elle est maintenant. Et je peux pas lui donner tout de suite parce que je voudrais bien les regarder, vérifier qu'il n'y a pas de soucis dessus. Et du coup, je vais attendre qu'elle soit couchée pour les regarder tranquillement et peut-être vous tourner la vidéo haul ce soir, je sais pas. Enfin voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout à l'heure. Et voilà, il est 7h30 et bébé Ellie mange donc du poisson pané, des petits pois, des carottes et un peu de Babybel. Bon appétit bébé. Oui. Tu veux toujours pas utiliser ta fourchette toi? T'es un petit peu longue à la détente. Voilà, bravo bébé. Bon, bah, la laisser manger, on se retrouve tout à l'heure. Bye bye. Le couteau. Bon, on a essayé, mais bébé Ellie, elle veut pas dormir avec elle, son papa. C'est compliqué ici, le retour de vacances. Fait... Et là, elle joue avec un jeu. On va couper. Ah, regarde l'oignon. Un autre. Elle joue avec un jeu qu'on a reçu aujourd'hui, qui est super bien, qui est super mignon. C'est du chou. Qui est parfait pour son âge. Allez, on coupe. 1, 2, 3. Tiens ici, là. Tiens. Trop chouette. Bon, du Encore, je vais clôturer le vlog maintenant parce qu'on va se préparer notre dîner. On va manger. Je pense qu'Eliora va se coucher un peu tard aujourd'hui, tout simplement. Bye bye.